Très très simple pour les débutants sur une chanson des Beatles très connue. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous jouer la mélodie de façon en sol, je l'ai transposée en sol là, donc je vais vous en jouer une interprétation, mais que j'ai écrite, en haut de manche avec un maximum de cordes à vide, donc techniquement c'est très très simple. Je vais laisser 2 mesures d'intro, comme ça si je vous propose après un accompagnement, vous pourrez vous amuser avec une intro de 2 mesures, vous pourrez vous amuser à jouer l'accompagnement par-dessus cette vidéo-là. Donc je vais laisser 2 mesures d'intro, je vais faire un A de cette mesure, un deuxième A de cette mesure, un B de 8 mesures, et de nouveau un A cette mesure, un B 8 mesures, et un A cette mesure, plus une coda qui fera 2 mesures, qui sera en fait la fin du A. Donc, pour bien, les partitions seront disponibles sur mon site. Mais je mettrai le lien quelque part au-dessus ou en dessous de la vidéo. Le mieux, ça serait d'enlever ça d'oreille. C'est-à-dire, je vais vous montrer le paquet de notes à l'intérieur duquel se situe la mélodie. Et le mieux, c'est de pas regarder la vidéo et essayer de faire ça uniquement d'oreille. Alors, la note de départ, ça sera un La. Voilà, deuxième case, corde 3. Et le total des notes, ça sera utilisé, ça sera Mi, Sol, La, Si, Do, Do dièse, Ré dièse, Mi, Fa dièse, Sol. Et aussi, il y aura aussi un Ré ici que j'ai oublié, hein. Donc, Mi, Sol, La, Si, Do, Do dièse, Ré. Ré dièse, Mi, Fa dièse, Sol. Sol, Fa dièse, Mi, Ré dièse, Ré, Do dièse, Do, Si, La, Sol, Mi. Voilà. Donc apprenez cette petite gamme, apprenez les notes qui vont avec. Et après, si vous en avez le courage, essayez de repiquer la mélodie. D'oreille sur la vidéo, c'est toujours mieux que de regarder une partition ou de regarder les doigts du mec qui joue. Alors là, je mets le métronome, enfin la boîte à rythme à 65. Je donne 2 mesures d'intro, je laisse 2 mesures et c'est parti. Thank you.
Alors, pour ceux qui iront chercher la partition sur le site, faites quand même attention à respecter le doigté main gauche, que j'ai pas toujours respecté là, mais c'est très sain de toute façon, c'est un doigt par case, sauf à certains endroits où je prends pas le même doigt pour ne pas sauter d'une corde à l'autre avec le même doigt. Faites attention aussi au sens des coups médiators. Souvent dans ce type de morceau, je préconise de jouer les coups sur le temps vers le bas, les coups à contretemps vers le haut, parce que je trouve que ça aide les élèves rythmiquement. Voilà, je pense que je ferai une autre vidéo avec un exemple de la même mélodie un peu plus haut sur le manche sans corde à vie aussi, et puis aussi une vidéo d'accompagnement écrit. Mais si vous travaillez les accords, n'hésitez surtout pas à aller chercher à jouer les accords par-dessus la vidéo qu'on vient d'enregistrer là, parce que bah, vous avez la boîte, vous avez la mélodie, ça vous permet de bosser dans un vrai contexte avec quelqu'un qui joue la mélodie.